Je parle et je sais que je ne peux m'arrêter. Je parle et je comprends qu'il est capital que je puisse transcender. Je parle et pourtant je sais que les mots ne seront pas suffisants. Et c'est à ce moment que je comprends qu'il faut que je sorte du temps. Le temps, cette chaîne qui me retient loin de l'éternité. Le temps, et pourtant lorsqu'il passe, me rapproche de mon éternité. Je parle parce que je dois découvrir la vérité, cette seule vérité capable de me libérer. Je parle un langage inconnu pour l'humanité, mais tellement réel pour la divinité. Je parle des mots imperceptibles par mon intelligence, mais incontestablement intelligibles pour mon essence. Mon essence est en réalité mon esprit, et mon esprit est en réalité une portion de son esprit. Et parce que son esprit est ce que je suis, il me faut briser, détruire cette cage qui m'empêche d'être comme je suis. Je suis Rebra Masaka Telebro Setilabrasa. Ce langage que je comprends, je suis ce langage qui me vient de lui et que lui seul peut décrypter. Décrypter parfois pour moi, parfois pour ceux qui sont autour de moi. Rebrosa Makalabra Sete. Ce langage change leur atmosphère. Rekatali Makabri Sekele. Redefaya Makalabre Setete. Que ce langage qui est la langue du royaume de mon père change l'influence de ce royaume maléfique dans lequel ils sont enfermés pour un temps. Ce langage qui vient de l'esprit, cet esprit qui rend libre tous ceux qui ont entendu la voix du Fils envoyé par l'Élie. Que leur liberté soit visible et que leur visibilité rende libre, libre d'esprit, libre dans l'âme et libre dans le corps. Rempli de l'esprit, je parle ce langage qui élève mon esprit vers le Dieu des âges qui transmet ce message dont j'ai la charge pour répandre son image. Oh, rempli de l'esprit, je parle ce langage qui élève mon esprit vers le Dieu des âges qui transmet ce message dont j'ai la charge pour
je parle ce langage qui élève mon esprit vers le Dieu des âges qui transmet ce message dont j'ai la charge pour répandre son image.